Hey yo tout le monde, c'est TheMrGamer pour une nouvelle vidéo commentée en face commentary et en pyjama, mais bon ça on s'en bat les couilles. Ce qui compte c'est le jeu, donc je viens sur un petit jeu flash qui se nomme Coverfront et qui est un jeu d'énigmes. Donc il va falloir trouver comment passer, comment progresser dans l'aventure en trouvant des objets, en fouillant un petit peu l'endroit, et bref, c'est parti. Téléphone. Sac. Sac. Tu veux du rouge à lèvres? C'est du braille. C'est du braille à l'écrit. Alors c'est écrit en anglais je crois, mais bon comme je connais rien en anglais, ben vous travaillez durer vous-même, hein. Merci, au revoir. Un parti 1. Ok, bon c'est de l'anglais mais en même temps c'est de l'allemand, tu vois. C'est écrit en anglais mais elle parle en allemand, c'est génial. Voilà, c'est n'importe quoi. Ok, ouais, elle est sortie. Ok, elle est sautée. Elle a sauté comme ça du taxi. C'est une ninja. C'est une ninja. Ah ouais, mais clairement, c'est une ninja. Voilà. Splinter Cell, Metal Gear Solid Snake. Rentrez chez vous, hein. Voilà. Vous avez trouvé votre maître. Alors, peut-on entrer? Non, évidemment, tu m'aurais étonné. On sonne, peut-être. Ah, voilà. Ouvre la porte. Une ficelle là. Bonjour, statue de Marie-Joseph, qu'est-ce que c'est que ça? Non. Une caisse. Ah, des ciseaux. Ok. Merde. On sort. On sort. On sort. On sort. Ah, là il y a un truc. Mais visiblement je ne peux rien faire. Alors on sort. Là il y a un truc. Ah. Paire de ciseaux. Yeah man. Ensuite, je pense que c'est ouvert la porte. Bingo! Allez, on entre. Oula, c'est un peu creepy quand même comme comme son. Hein. Ah, ok, j'ai récupéré un petit truc. Y a-t-il quelque chose à faire? Ah, on peut descendre dans la cave. Ah, ok. Alors, attends. Là, y a quoi? Là, y a un sèche-cheveux. Avec un. Là, il y a une clé, mais je peux pas y aller. Il faudrait peut-être que je bouche l'eau. Ou alors. Attends, j'ai une idée, peut-être. Ok, montre. Ça change quelque chose ou pas, là, non? On dirait pas. Je sais pas ce que j'ai fait, gros, mais. Je pensais que ça allait faire un truc, mais pas du tout. Donc, du coup. On va se barrer. On va se barrer. Y a-t-il autre chose à faire ici? Des potions à récupérer, non? Des choses, des trucs. Là, ah là, regardez, il y a. Ah, une boîte d'allumettes, tiens. Ok, pourquoi pas. Ouais! Ok. Peut-être il y aura un truc à faire avec. Bon, il y aura certainement un truc à faire. Bon, on sort de là. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. On va sortir. On va sortir, on va aller dans la deuxième porte. Ah bah c'est celle-là la deuxième porte? Attends, c'est quoi cette merde? Ok, et là c'était quoi là? Mais c'est la même porte, tu te fous de ma gueule ou quoi? Attends, bon, on va monter. Voilà. Qu'est-ce que c'est? On va aller là. Il y a quoi? Il y a une vis. Ça a dû être tombé de là, j'imagine. Ok, bon. Pour l'instant il n'y a rien, donc on va partir. Là il y a quoi? Ok, oula, il y a un mec qui s'est suicidé là, visiblement. Je pense qu'il y a un mec qui s'est suicidé. Là, il y a la tenue du commandant. Attends. Là, il y a des caleçons, des affaires. Là, il y a un sac. Ok.
Ok, je peux rien faire. Il y a un mec qui a voulu faire ses bagages, mais il a pas pu. Il a pas eu le temps de finir. Ah, il y a un livre. Ok, j'ai eu un book. Un petit livre. Là, il n'y a rien. On peut partir, je pense. Là, il y a quoi? Ok. Là, c'est fermé, d'accord. Hop, on va redescendre. Ici, c'est fermé, peut-être en utilisant ça. Ouais! Ouais. Qu'y a-t-il là-dedans? Du poison. Ah, il y a une petite biche. Excusez-moi si je regarde pas trop la caméra, parce que je suis concentré dans ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, là il y a une petite lettre. Où ça doit parler de l'histoire, mais bon, comme je comprends rien, évidemment. On est le 4 août 1904, ok. Tuesday, je crois que c'est... Monday, Monday, Tuesday. Non, Wednesday, Tuesday. C'est jeudi, je crois. Donc là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Bonjour, monsieur Moustachu. Comment vas-tu? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ça. Ah, là, il y a un symbole. Là, il y a quoi, là? Une pelle, mais je peux pas prendre. Y a-t-il quelque chose à faire ici? Non. Apparemment, il n'y a rien, donc on repart. Là, c'est quoi? La salle de bain. Y a-t-il un truc à choper? Papier toilette. Non. Là, on peut pas tirer la chasse, on peut prendre les brosses à dents. Hop, on s'en va. Alors du coup, je me demande si du coup, le... parce qu'on est un peu bloqué, si le... la barre de ma chaîne ne servirait pas à du coup lever ça, je pense peut-être. Ouais. Hop, oh, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Ok, donc j'imagine que ça a dû du coup fermer l'eau de l'autre côté. Ça a dû fermer l'eau. Ça a dû fermer l'eau. C'était où? Par là. 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 Voilà, ça a fermé l'eau. Super. Là, hop. On retire l'eau. C'est génial. On prend la clé. On s'en va. Alors du coup, la clé, c'est pour ouvrir quelle pièce? C'est la question que je me pose. Est-ce que c'est la pièce qui avait... Non, pas ici. Ici peut-être. Ouais. Ok. Alors, il y a quoi là? Il y avait... Ah! On peut bouger des livres apparemment. Alors attends. Il y a quoi comme livre? Est-ce que ça serait pas par hasard des symboles? Alors par contre, quel symbole c'est? Ah, ça doit être, ouais, ça doit être le symbole du sort d'aigle là. Parce que c'est vrai qu'il y avait eu. J'ai vu à plusieurs reprises en fait, donc justement ces symboles là. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Non, c'est pas ça. Ça non plus. Non, non. Non, attends. Non. Non. Il doit y en avoir un ici, mais je ne sais pas où il est. Faut chercher tous les livres là, c'est chiant. Non. Non plus. Non, c'est pas celui-là. Il doit y avoir un truc, c'est obligé. Ah, ou alors, attends. Putain, mais il est trop fort ce Mister Gamer alors. Mais qu'est-ce qu'il est fort? Dites-le dans les commentaires, qu'est-ce qu'il est fort, bon Dieu. Donc on a ouvert la porte. On peut rentrer dans une sorte de bureau secret. Ah, ok. Ça c'est quoi ça? Oh, bah d'accord, j'ai chopé un truc, je sais même pas ce que c'est. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un stylo, du papier avec des trucs qu'on écrit qu'on comprend pas. Ok. On peut sortir. Ah bah j'ai d'accord des plans, super. Je sais pas trop à quoi ça va pouvoir nous servir. Ok, là on ouvre les tiroirs, mais y a-t-il quelque chose à faire avec ces tiroirs? C'est la question que je me pose. Ben non, apparemment, hein, très clairement là. Hein. Est-ce que par contre, du coup, attends voir. Non. Non.
Parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose à faire là, mais je sais pas. Bon, du coup, j'ai récupéré quoi? J'ai récupéré des papiers, une allumette, ça. Mais à quoi ça servit? Bordel, je vous le demande. À moins qu'on peut péter ça avec ça, mais ça m'étonnerait grandement, voilà. C'est super. C'était une idée de merde. Mais du coup, ça sert à quoi là en fait, très clairement? Non, il y a forcément un truc à faire là, mais je sais pas quoi en fait. Là, forcément, on peut pas aller dans le bureau là, voir ce qui se passe, non? Là, il y a rien. Attends, merde. Non, là, il y a rien, de toute façon, c'est clair et net. Il y a clair et net et précis, il y a que dalle. Ah, non, non. Non, il y a vraiment que dalle ici, hein. Il y a vraiment que dalle. Il faut que je trouve un moyen, c'est pas possible. Il doit forcément y avoir quelque chose là, c'est évident quoi. C'est évident, je ne sais pas quoi, mais c'est évident. Non, là j'ai pris déjà le machin. Le machin chouin chouin. Ou alors lui là, il bouge pas le lion là? Non, il bouge pas apparemment. Bon, écoutez, là je suis un petit peu coincé, je vais retourner là, il y avait rien là, non? Ben non, il y avait rien là. À moins que... Non, il y a rien ici. L'allumette, non. On va tout faire flamber, ouais. C'est génial. Toi, ce symbole là est... C'est un... Non, il y a un truc qui cloche. C'est obligé que ce symbole, je dois m'en servir là-dedans. C'est un truc de malade. C'est obligé, quoi, je veux dire. Attends. À un moment donné, je veux dire. C'est un peu obligé. C'est une obligation, limite, tu vois. C'est sûr qu'il doit y avoir un truc, là. Avec les livres. C'est obligé, attends. C'est quoi, ça? Non, c'est pas celui-là. Attends. Derrière, non. Non. Non mais c'est, ça semble juste évident qu'il doit y avoir un livre en fait avec cette espèce d'aigle ou de griffon, je sais pas exactement ce que c'est. C'est obligé quoi, je veux dire. À un moment donné, tu vois, à un moment donné, c'est sûr que ça doit être ça, la solution. Mais je vois pas quoi. À moins que ce ne soit pas les griffons. Ce qui serait très étrange en fait. Peut-être on va ouvrir tous ces trucs comme ça là, écoute. Non. Non. Il y avait quoi là? Ça a pas l'air de marcher ce que j'essaie de faire. Je sais pas. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Y a-t-il une solution en dessous? Non, pas de solution. Bon. Je voulais juste pas passer 1000 ans en fait avec ça, mais. Du coup. Je sais pas pourquoi, il me semblait qu'il y avait peut-être un petit truc là, que ça allait débloquer quelque chose, mais. On dirait que non. On dirait pas. Je suis perdu là, franchement, je sais pas quoi faire. Ça, je peux rien y faire avec. Ça, je sais pas à quoi ça me perturbe de ouf. J'ai peut-être essayé de retourner. Ah, bah attends, il y avait un truc là. C'est quoi ça? Je peux bouger les trucs là? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Attends. Non. Ah, mais attends. Je crois me souvenir qu'il y avait. Alors attends, on va redescendre. Il me semble que là il y avait une horloge quelque part. Hein. Attends, voilà là. Est-ce que du coup. Ah! Si je trouve la bonne heure à ton avis. Ah, attends! Non.
Attends. Y a-t-il un poster? Oh! J'allais dire, y a-t-il un poster où il y a l'heure? 2h35. Ok, merci madame. Attends, non, merde, c'est comme ça et comme ça. Ah, c'était fou. Ben, c'est bon, tais-toi là. Ok, une clé peut-être qui va me permettre de m'ouvrir ceci. Eh oui. Oh, il y a pas mal de choses ici, mais on peut pas prendre ça. Ah, c'est une petite bague avec l'emblème du griffon là. Ah, alors je sais où ça va, ça. Ça, je sais où ça va. Laissez tomber. J'avais repéré ça tout à l'heure. Tac. Ah, petit passage secret au KLM. Ah, on y va. Oula, j'y vois rien. Allumez une torche, s'il vous plaît. Merci. C'est bon là? On peut passer? Ah, il y a quoi là? Un fusible. Ah, alors à mon avis, le fusible déjà, hop, on va le poser là. Voilà. Là, hop, on va activer ça. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Merde. J'ai tout cassé. Ok, on s'échappe, on s'échappe. C'est pas à moi, y'a personne, c'est pas vrai. Mais je sais pas qu'il va y avoir une grosse screamer qui va arriver là. On peut craquer une allumette? Non, on peut pas. Qu'est-ce qui se passe? J'y vois rien. Ah! On peut avancer ou pas là? Attends, qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, bah c'est. Ah! To be continued! Command game, end menu, ouais, bon, on s'en bat les couilles. Bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, pourquoi pas me dire de faire le Covert Front 2 qui est juste ici. Et le Covert Front 3 ainsi que le Covert Front 4. Ça me ferait extrêmement plaisir de continuer la suite. Voilà. Et bien écoutez, c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez la suite. Puisqu'il y a une histoire aussi dans le truc, tu vois. Voilà. Là, en fait, on est parti découvrir un petit peu ce qui se passait dans une maison. Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris apparemment qu'un mec se serait suicidé. On avait un pistolet avec des taches de sang partout. On a vu que c'était apparemment un général. Et on a vu que c'était dans un manoir. Et que, en fait, il y avait des plans pour des sortes de deltaplanes ou de mécanismes un peu bizarres, tu vois. Genre, des trucs très chelous, comme des sortes d'avions, un drone, enfin bref, des trucs bizarres, quoi. Qu'en 1904, il devrait peut-être pas y avoir. Bref. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et mettre un like, évidemment. Et de vous abonner pour ne rien rater de mes futures vidéos, notamment peut-être, bah, pourquoi pas la suite. Hein. Voilà. C'était TheMrGamer, je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. Ciao tout le monde! Yeah!